chaque année, donc on a le taux de dépistage de la drépanocytose qui tombe chaque année. Ce sont des chiffres officiels. Et aujourd'hui, donc la drépanocytose est une maladie génétique qui touche quasi exclusivement les populations afro-maghrébines. Et 38, quasiment 40% des naissances aujourd'hui en France sont extra-européennes. C'est énorme. 40%. Et en région parisienne, les tests sur les enfants issus de familles africaines ou maghrébines sont obligatoires de manière à pouvoir mettre en place un soin. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas, les statistiques ne peuvent pas tricher là-dessus. Et donc c'est 40% sur l'ensemble de la France et 70% de dépistage des naissances pour cause de trépanocytose en Ile-de-France. Voilà, 73% en Ile-de-France, plus de 50% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et si la courbe suit son cours normal, on atteindra le seuil fatidique des 50%, donc le basculement démographique, en 2025,